Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends, tu peux signaler un commentaire, tu peux mettre un commentaire. Si tu m'entends très bien. Est-ce qu'on peut mettre? Ok. Que Dieu vous bénisse. Alors, aide-moi à dire bienvenue à quelqu'un. Si tu peux m'aider à envoyer un message à ton voisin, dis au voisin bienvenue. Dis à ton voisin bienvenue. Tu peux donner un bienvenue à ton voisin. Shadaklo te de blédish, Lady Vahadush, Radadun de blédish, Kaida, Maïdegosh, Zaplaidash, Zamantoglodush, Lady Shatlaidamante, Lebladouzelediash, Zaglundebehedia, Melo Jabladaya. Paladero saladika kuva le zahadu zemende zagliva hadisha palenda glayova izadomenta vahadush savonta inama zagendo Alors, bienvenue à ITS. Je me présente. Je suis le prophète d'Azaphemel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bienvenue parmi nous. Alors, j'aimerais aussi, avant de rentrer en profondeur, vous souhaiter à tous et à toutes, je crois, un Happy New Year's. Bonne année à tous. Ma prière, c'est que durant cette année 2023, vous puissiez expérimenter Dieu à un autre niveau. Ma prière pour vous, c'est qu'en 2023, vous ne puissiez pas vous limiter à des souhaits. Je vous souhaite de l'argent, je vous souhaite, anyway, mais j'aimerais que vous puissiez entrer dans des actions qui vous permettront de vivre ces souhaits-là. En 2023, je désire pour vous que vous expérimentiez Dieu à une autre dimension, mais aussi que votre état financier change. Comme j'aime à le dire pour les habitués d'ITS, adorez Dieu, mais aimez l'argent. Adorons Dieu. Aimons l'argent. Comme pour dire, donnons à Dieu tout notre cœur, toute notre dévotion, mais travaillons afin d'avoir une vie épanouie. Et pour 2023, je rajoute ma prière pour vous, c'est que vous ayez, vous rentrez, que vous puissiez rentrer autant pour moi, dans une dimension, une vie financière épanouie. Je prie que vous soyez le prochain chrétien millionnaire, la prochaine chrétienne millionnaire durant cette année 2023. Église, 2023 est une année de conquête pour ITS. C'est l'année dans laquelle nous rentrons dans la conquête, l'année dans laquelle nous rentrons dans les possessions, l'année dans laquelle nous irons déposséder ceux-là qui ont possédé ce qui nous revenait. L'année dans laquelle nous allons nous battre. L'année dans laquelle nous allons nous battre dans la prière, dans les actions et dans tout ce dont nous aurons la capacité de faire. Il le faut. Ce n'est pas un choix. À ITS, le succès n'est pas un choix. C'est une obligation
et encore plus cette année. Et je déclare par-dessus tout que votre mentalité soit requinquée, soit challengée, soit renouvelée. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que tout sorcier qui eût eu de l'influence dans ta vie, tout sorcier qui a eu à mettre sa main sur ta vie afin de bloquer un domaine de ta vie, moi je dis qu'il meurt. Je dis qu'il meurt en cette année. Je décrète et déclare dans tes alentours relationnels, toute relation non productive pour toi, je déclare une séparation. En cette année 2023, rien ni personne ne t'empêchera de monter dans les hauteurs. Si je parle aux esprits d'ITS, j'aimerais qu'on me dise trois fois « Amen ». Est-ce qu'on peut dire « Amen » trois fois? Tel est mon souhait en ce qui vous concerne. Aussi, je bénis toutes les personnes qui sont sur YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Restez en prière avec nous et soyez concentrés et que rien ni personne ne puisse constituer un élément de déconcentration en ce qui vous concerne. Est-ce que quelqu'un est content d'être en 2023? Ali Dabado Shende Bledidaya. L'églimando. On va faire quelque chose. On va faire une chose. Juste pendant 60 secondes, on va tous activer nos micros et nos caméras pour ceux-là qui le peuvent. Et on va crier bonne année. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut activer nos micros pendant 60 secondes? On acclame et on crie bonne année. Est-ce qu'on peut le faire? Je commence déjà. Je vous souhaite une bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Alors, bonne année. On dit bonne année. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Assurément, il y a des personnes comme moi qui ont passé la bonne année dans une chambre, dans une pièce. Donc, on n'a pas eu cette occasion de crier bonne année avec les autres. Et aujourd'hui, on l'a fait particulièrement. J'ai hâte d'être en 2023. J'ai hâte d'être en 2024 parce que je sais que ITS, d'ici très peu de temps, va aussi organiser ses bonnes années en présentiel et d'une manière très dangereuse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans le mois de la conquête. Amen. Nous sommes dans l'année, autant pour moi, de la conquête. Cette année est une année de conquête. C'est la vision de l'année, la conquête. Et il n'y a rien de mieux que de commencer cette année dans une atmosphère de prière. Il n'y a rien de mieux que de commencer cette année dans certaines résolutions qui nous emmèneront à voir Dieu autrement. Église, j'ai l'habitude de dire, mon mandat en tant que prophète, ce n'est pas de faire de vous des personnes qui gravitent autour d'un noyau atomique que je suis. Non. Mon mandat, c'est de faire de vous des chrétiens mystiques indépendants. Et je vous emmènerai dans des enseignements, dans des pratiques, dans des prières qui auront pour but
de faire de vous des indépendants. En d'autres termes, je vous donnerai une formation pastorale à ITS. Et dans le contexte de cette année 2023, nous allons tous, et nous commençons tous cette année dans un marathon de prière intitulé « Janvier en prière ». Et durant ce programme qui est « Janvier en prière », nous parlerons sur l'année 2023. Nous décréterons des choses que nous voulons voir dans l'année 2023. Nous allons commander à cette année 2023. Et je vous annonce que durant ce programme, durant cette année, au sorti de ce programme, il y aura des personnes qui eussent eu leur vie de prière down. Leur vie de prière se verra être restaurée. Après ces moments et pendant ces moments, il y a des personnes, peut-être qui étaient malades, qui seront guéries. Je ne sais peut-être pas le mot avec lequel tu t'es connecté ce soir, mais je peux vous assurer que 2023 ne sera pas 2022. Je dis, 2023 ne sera pas ou n'est pas 2022. J'ai aimé une phrase qu'une de mes filles a dit. Elle a dit, je vais paraphraser, je ne me souviens plus vraiment, dans un groupe WhatsApp, je crois, elle a dit, je suis fatiguée des mêmes choses. Et en cette année, je me battrai afin de ne pas revivre les mêmes choses. La visitation de Dieu en ce qui te concerne ne dépend pas d'un prophète. La visitation de Dieu dépend de toi. Le changement de ta vie ne dépend pas d'un homme. Tu es le premier, la première personne auprès duquel le changement de ta vie dépend. Et en 2023, je vous invite, vous et moi, ITS, à entrer dans une dimension de recherche. Nous allons avoir beaucoup d'enseignements. 2023, on va prophétiser, on va guérir des malades, on va expérimenter le surnaturel à une dimension dangereuse, mais aussi on sera beaucoup centré sur l'enseignement. Sur l'enseignement. C'est ainsi qu'en février, nous commencerons d'avance, ou du moins déjà, avec la thématique à savoir la spiritualité des pensées, où je vous révélerai le mystique caché derrière les pensées de l'homme. Et après cela, je vous parlerai sur les transactions spirituelles. Comment opérer dans le monde invisible, comment les transactions se font, les actions à faire. Ce sera la deuxième édition de Maîtriser les codes qui est passée. Et en mars, nous aurons le sorcier de ma famille doit mourir, programme durant lequel je vous révélerai les mystères cachés autour de la sorcellerie, comment les détruire, comment ils opèrent et tout ce qui concerne le monde de la sorcellerie. Ça, c'est la première partie, première ronde. Soyez forts, ayez la ceinture, parce que durant tout le mois de mars, nous serons en jeûne. C'est notre premier jeûne de l'année et ce sera 31 jours de jeûne. Le Dieu de Dieu nous fera du bien. Avant, j'aimerais prier ou réciter la prière habituelle. Pendant que tu lèves ta main droite, je cite et je dis ceci. Nous sommes une église, nous sommes une famille, nous sommes une génération, nous sommes le présent, nous sommes le futur, nous sommes le développement, nous sommes le réveil, nous sommes l'église de demain, nous sommes ITS, impact, transformation, surnaturelle. Dans le nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut avancer?
Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière? Donnez-moi quelques minutes. Pourquoi il est important de prier en début d'année? Ou pourquoi nous prions durant le mois de janvier? Premièrement, pour ceux qui prennent note, c'est mon exhortation avant la prière. Premièrement, il est écrit 1. Priez sans cesse. La Bible dit prier sans cesse. Pourquoi? Dans un premier niveau, on définit la prière comme étant le fait d'avoir une certaine posture, de se concentrer et de prier. À l'Écodime, on nous a dit, prier, c'est parler avec Dieu. C'est le premier niveau. Mais comme vous êtes à ITS, vous savez déjà que la prière, ce n'est pas que parler avec Dieu, ou ce n'est pas seulement parler avec Dieu, ou ce n'est pas d'abord parler avec Dieu. La prière est un processus. Et durant ce programme, je vous exhorterai en quelques minutes sur les différents types de prières que nous allons faire, mais voir les prières d'invocation, les prières d'imprécation. Nous allons faire des choses étrange et intéressante. Vous devez comprendre, celui qui prie, c'est celui qui croit qu'il y a un Dieu qui exauce les prières. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, si tu es venu ce soir pour prier, et si tu es prête pour la prière durant tout ce mois, c'est que tu crois qu'il y a un Dieu dans les cieux qui exauce la prière. La prière, je définis ça d'une manière particulière. La prière, c'est toutes les paroles et actions posées par un homme mystique. La prière, je la définis comme étant l'ensemble des paroles ou et des actions posées par un homme mystique ou, si vous voulez, spirituel. Parce que celui qui prie croit en deux choses. Premièrement, que le monde spirituel existe et qu'il y a un Dieu qui existe. Le but ou l'impact de la prière se situe, ou je dirais, la prière impacte dans le monde invisible et dans le visible, nous ne voyons que les conséquences de la prière. C'est ainsi que pour une personne qui prie pour avoir des enfants, elle bouge l'invisible au travers de la prière et le visible manifestera les fruits de sa prière qui eussent été invisibles. Je veux déjà que vous compreniez, une personne qui se met à prier est une personne qui d'emblée se focus ou de moins croit qu'il y a un monde spirituel qui existe et il y a un Dieu qui exauce la prière. Est-ce que je parle à des esprits? Dans un deuxième temps, vous devez comprendre. Dans un deuxième temps, vous devez comprendre. La prière est le moyen par lequel le chrétien ou l'homme qui prie élève son esprit.
la prière, dans un deuxième temps, se définit aussi comme étant le moyen par lequel l'homme spirituel élève son esprit. Et durant la thématique sur la spiritualité des pensées, je vous parlerai des méditations. Je vous expliquerai pourquoi le monde contemporain, les Européens, donnent beaucoup un accent sur ce qu'ils appellent la méditation, méditation transcendantale. On parle de yoga, on parle de position lotus. Je vous expliquerai en détail ces choses. Et sûrement, peut-être, je vous montrerai des textes dans la Bible sur certaines choses. Celui qui prie décide d'élever son esprit. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries? Considérons que voici le problème. C'est un exemple. Voici ton problème. Ça peut être, je veux voyager. Ça peut être un enfant. Ça peut être la guérison. Ça peut être la restauration. Voici ton problème. Et tu désires avoir la solution à ce problème. Maintenant, plus tu pries, ou du moins, toutes les fois que tu as prié, tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas vraiment eu de changement ou d'amélioration. C'est dû à quoi? Dans un premier sens, c'est dû au fait que le problème ou l'épreuve ou la situation est positionnée à une dimension supérieure à l'état de foi de ton esprit. On va quantifier cela. Si ton problème pèse 10 kilos et que toi, ta foi pèse 5 kilos, tu ne pourras pas déplacer le problème. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lire la Bible. Mais tu dois prier. Pourquoi? Parce que par la prière, tu élèves ton esprit. Or, quand tu élèves ton esprit, l'élévation de ton esprit fera en sorte que ta foi montera. Et quand ta foi montera, elle quittera de 5% ou de 5 kilos à 15 kilos. Et à ce moment-là, tu peux déclarer ou parler et le problème s'arrête. Si bien évidemment, tu fais face à un problème vocal ou que l'on peut changer sur la base de la voix. Je ne sais pas si on me comprend. C'est en ce sens que la Bible dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé ou de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, elle se déplacera et se jettera dans la mer. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, pourquoi il prend l'illustration de grain de moutarde? Parce que, écoutez-moi, dans le monde spirituel en Christ, la foi peut être quantifiée, c'est-à-dire on peut parler de quantité dans le règne de l'esprit. Maintenant, Dieu par Jésus nous dit, avec votre toute petite foi, vous pouvez déplacer les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut résister logiquement devant la foi. Nothing.
ne sais pas si les esprits me comprennent. Je ne sais pas si on me comprend. Je sais qu'on m'entend, mais je ne sais pas si on me comprend. J'ai envie de t'amener à te poser la question de savoir, est-ce que tu as la foi? Si oui, est-ce que tu as la foi suffisante? Parce que si tu as la foi ce soir et durant ce programme, tu n'auras pas besoin de l'intervention d'un quelconque homme de Dieu. Ce soir, c'est chacun prie pour chacun. Durant ce programme, c'est tu pries personnellement pour tes situations. Donc, tu ne dois pas attendre l'intervention de X ou l'intervention d'Y. Moi, je suis là juste pour vous donner la direction. Quand on va dire prière, on va prier. J'ai une rage dans mon cœur. Je suis rentré en 2023 avec cette rage. Et l'un de mes objectifs cette année, c'est de vous voir réussir. En tant que père, je désire vous voir réussir. Et je n'accepterai pas que cette année soit encore une année semblable à l'année passée, en 2022. Je n'accepterai pas que cette année soit semblable à 2022. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à entrer dans janvier en prière avec moi demain? Est-ce que tu crois que durant ce programme, comme on dit en anglais, your life will be never the same. Ta vie ne sera plus jamais la même durant et après ce programme. Est-ce que tu crois que cette année est ton année d'élévation? Oh, Rebecca, je suis content de te voir. Est-ce que tu crois que tout ce qui n'a pas marché en 2022 marchera en 2023? Maintenant, est-ce que tu sais qu'il y a des sacrifices que tu dois faire? Parmi lesquels, premièrement, la prière. Alors, je termine mon propos en disant ceci. Pour ceux qui sont d'ITS, je crois qu'ils le savent. Ça, vous devez toujours l'avoir. Toujours. Donc, si vous ne l'avez pas, achetez déjà. Vous devez toujours. Chacune des personnes présentes doit toujours avoir son huile. C'est une arme. J'aime ça. Ce sont les bases. C'est une arme. Durant ce mois, on va faire des prières bizarres. Le Saint de Dieu m'a révélé des prières bizarres. J'en ris parce que je crois une de mes moments pour poser la question si on devait prier avec, je crois, les bougies. Je lui ai dit, je ne savais pas. Là, maintenant, je sais. Dieu m'a révélé des prières bizarres. Donc, si c'est la première fois que vous assistez, nous ici, on fait des prières bizarres. Parfois, on prie avec le sel. Parfois, on prie avec bougie ici. Parfois, on prie avec. Mais, on est scripturaire. Il ne faut pas avoir peur. Vous êtes à l'église de Jésus-Christ de Nazareth. La douce et le
tu es prête pour la prière, tu vas te lever. L'attitude dans la prière compte de beaucoup. Et nous aurons les prières des combats. Déclaration, combat, c'est comme ça. Ce sera comme ça tout le mois. On va prier pour les malades, on va... L'attitude compte de beaucoup. Et après ça, nous nous reverrons à 3 heures. Je vois dans le règne de l'esprit comment il y a des personnes ici, durant ces moments, leur esprit prophétique va s'ouvrir. Je vois comment il y a des esprits fermés qui vont souffrir. Et pendant que je parle, je vois des personnes qui avaient du mal à prier, qui entendent pour moi. C'est comme si vous sentiez que votre esprit, vous avez du mal à voir un esprit. En d'autres termes, entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Vous aviez déjà du mal. Et ce programme sera un programme de restauration, de délivrance, d'impactation, de transformation et du surnaturel pour plusieurs. Alors, nous sommes à notre premier jour. Je te dis, attache la ceinture. N'oublions pas, il vaut mieux la fin que le commencement. Donc, j'espère vous voir très nombreux dans tout le programme, mais aussi à la fin. C'est ma prière. Alors, on va prier. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Nous tous. Je lève, on va prier. Le premier sujet de prière, ou la première, premier sujet de prière, première requête, tu vas dire à Dieu, ou tu vas commander, autant pour moi, à 2023, tu diras que 2023 ne sera pas 2022. Donc, assurément, durant l'année 2022, tu as fait face à certaines choses, certaines oppressions, certains combats, certaines batailles, certaines difficultés qui ont été pour toi vraiment des durs labeurs. Nous sommes en 2023. Et au-delà des résolutions que tu as eu à prendre, des souhaits qu'on a eu à te faire, il faudrait que tu te lèves dans le règne de l'esprit et que tu décrètes et déclares que cette année ne soit pas la répétition de l'année 2022. Est-ce que les esprits m'entendent? Est-ce qu'on m'entend? Nous sommes à l'heure de la prière. Quand je vais dire on prie, on active nos micros. Et on prie. Parle sur ton année. Activons nos micros et prions. Déclare. Déclare. Mon Père éternel, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare, mon Père éternel, que l'année, Seigneur mon Dieu, mon Père, ne sera pas pareil, Père éternel, pour l'année 2022. Mon Père éternel, je décrète et je déclare, mon Père éternel, que l'angoisse je déclare, que tu la joie, la paix, et de la joie, et je déclare, je prie pour mon année 2021. Je prie pour 2023. Décrète cette année ne sera pas la répétition de 2022.
Je te parle. Je
le nom de Jésus. Il a Je suis dans le monde, 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 je suis dans le monde
C'est bon, 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 c'est bon,
Pour moi de santé, de protection, de joie, de bénédiction au nom du Seigneur Jésus. Père, je remets tout entre vos mains de tes mains. Que ta volonté soit faite dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Malédiction. Dans le nom de la Jésus. Maternelle sera vaincue au nom de Jésus. Tu vas encore prier. Maintenant, tu vas dire ceci. Je récupère tout ce qui m'a été pris durant l'année 2022. Il y a des personnes ici, pendant l'année 2022, vous avez manqué de bonne santé. Vous avez manqué de finances. Vous avez manqué de stabilité, de paix, dans quelconque domaine. Or, ces choses, logiquement, sont des droits. Ce sont des choses normalement qui nous appartiennent par l'esprit. Il est possible que l'ennemi puisse voler les grâces de quelqu'un. Tu vas dire, tout ce qui m'a été pris en 2022, maintenant là, je récupère. Maintenant, je récupère. Bas les mains et prie. Bas les mains et prie. Bas les au mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ce qui m'a été pris. Je prie la paix intérieure. Je récupère le changement. La bénédiction, je récupère ce que le peuple a pris. Mais non, je récupère dans le nom puissant de Jésus. Je récupère dans le nom puissant de Jésus. Je récupère dans le nom puissant de Je récupère
Je l'ai récupéré.
je l'ai bien tendré. Seigneur, je recule à la Seigneur. Tout ce que le diable a volé dans cette année Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier. Troisième sujet. Après avoir récupéré, tu vas déclarer que toutes les limites qui t'ont été posées soient brisées. Tu vas prier dans un sens de briser toutes les limites ou les limitations. Il y a des personnes ici, pendant que je parle,
en 2022, vous aviez senti des limitations dans quelconque domaine. À ce moment, tu voulais faire des affaires. À un moment donné, tu te sentais limité. Assurément, dans quelconque domaine. Maintenant, tu vas décréter et déclarer qu'en 2023, tu ne puisses nullement être victime d'une quelconque limitation dans un quelconque domaine. Amen. Prie le Seigneur. Pendant 60 secondes, prie le Seigneur. Bas les mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute limitation en eux, le monde en dehors, je plie cela, Seigneur, les hôtels de limitation. Je rends cela, Seigneur, mon Dieu, les canapés de limitation. Je plie cela au nom puissant de Jésus. Les Seigneurs, mon Dieu, mon Père, les limitations, toutes les limitations, toutes les limitations. Les limitations en vous, le monde. Je plie cela, je bannis cela, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je déclare toute limitation. Ô Seigneur, dans 2022, je déclare que les limitations sont éternelles. Je déclare que toutes les limitations qui m'empêchent de détruire des limitations dans mes pensées. Je brise les limitations. Des limitations dans mes relations. Toute limitation de démon, Dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que toutes les limitations qui agissent dans un domaine de cinéma, Je brise la limitation.
Je déclare au nom de Jésus que ces choses tombent. Cette année, Seigneur, je monte à un autre niveau. Je monte à un autre niveau. Je ne serai ni mon limité. J'ai Aïcha, rassemble l'église. Je ne serai ni mon limité. Je décrète la sabrakaya daza. Je ne serai ni mon limité. Que toute limitation que le diable a fait contre la famille, contre la maison, contre nos vies. Ô Seigneur, qu'il soit banni par la puissance de Seigneur Jésus. Je ne serai nullement limité. Je ne serai ni mon limité, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni dans mon limitation de l'intelligence et la sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes les limitations en tout de moi. Au nom du Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare qu'en 2023, ne sois nullement limité au nom de Jésus. Amen.
Je décrète et je déclare que 2023 est ton année d'accomplissement. Amen. Et ton année de réussite. Amen. Et ton année de succès. Amen. Et ton année d'impact, de transformation et de surnaturel. Dans le nom de Jésus. Je dis tout ce qui te retenait maintenant te libère. Amen. Tout ce qui te retenait te libère. Amen. Je décrète et déclare qu'en cette année, tu vivras une santé de fer. Amen. Amen. Je décrète et déclare qu'en cette année, tu verras tes finances s'accroître. Amen. Amen. Je décrète et déclare qu'en cette année, Dieu te connectera à des personnes de destinée pour toi. Amen. Je décrète et déclare que là où tu avais du mal dans ta vie spirituelle, tu puisses voir maintenant un accroissement au nom de Jésus. Je dis 2023 est pour toi une année de conquête dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, c'est comme ça, c'est ce rythme-là que nous aurons tout le mois. 21h jusqu'à 22h30 maximum. Et on se voit tout à l'heure à 3h. Rebecca en poumon. Rebecca en poumon. Je te cherche. Est-ce qu'elle est là? Ok, elle n'est pas là. Elle était là tout à l'heure. Vous savez, au-delà de la prière, vous devez aussi faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors j'exige à toutes les personnes qui m'écoutent, vous êtes ITS, ou même, ou peut-être pas, après ce culte, vous avez jusqu'à dimanche, asseyez-vous et planifiez votre année step by step. Étape après étape. On a prié, c'est bien. Mais après la prière, il y a maintenant l'orientation. On va prier. Mais pour que cette année soit une année différente, vous devez faire quelque chose de différent. Donc, planifie ton année. Je redis, planifie ton année. Si tu vas atteindre, exemple, 500 euros chaque fin du mois, donne-toi des possibilités. Vois comment tu peux faire. Si tu dois commencer le business, vois comment tu peux le faire. Si tu dois commencer X ou X choses, planifie. Vois comment tu peux faire ça. De janvier jusqu'en décembre. Et bats-toi à réaliser ça. On est l'ITS. Ayez au moins un temps où vous lisez des livres importants sur la culture,
pour développer votre esprit. Lisez. Quel que soit votre temps d'occupation, vous êtes ITS, ayez au moins ne fût-ce que 30 minutes par jour ou un jour dans la semaine où vous passez 3 heures de temps dans la lecture. Prenez un livre au-delà de la Bible. Prenez un livre d'actualité. Ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être un livre qui parle du management. Un domaine que vous voulez connaître. Vous prenez, documentez. Séparez-vous. J'ai déjà parlé de ça. C'est le dernier enseignement de 2022. Séparez-vous des personnes nuisibles, négatives. Des personnes qui ne vous accroissent pas. Séparez-vous d'elles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais aider quelqu'un. Je vois comment en cette année, Dieu veut se manifester et va se manifester. Pendant que je parle de ça, j'ai vu au début, avant qu'on ne prie, Marthe, est-ce que Marthe est là? Est-ce que Marthe est là? Ok. Marthe, l'Esprit de Dieu m'a dit, et j'ai vu quelque chose. Quand je parlais des personnes qui avaient leur dimension prophétique, pas fermée, mais je voyais comment leur esprit souffrait et ils montaient encore, ou elles montaient ces personnes dans une autre dimension prophétique. L'Esprit de Dieu m'a orienté vers toi. Je vois comment, en cette année 2023, si tu fais ce que tu dois faire, c'est-à-dire une dimension de vie de prière extraordinaire, je vois comment l'Esprit de Dieu me dit, il va restaurer ton don des visions. Et quand je parle des visions, je vois deux domaines. Je vois des visions dans les songes et même les visions ouvertes. Est-ce que Marthe est là? Ça va? Nickel, tremble, Fanny. Elle est sanctionnée là-bas, on dirait. Ok. Et... Oh my God. Maintenant, Marc, écoute-moi très bien. J'ai longtemps hésité de te dire. Et je vois aussi comment, en cette année 2022, les portes du mariage te sont ouvertes. Mais pendant que je parle, je vois deux choses. Vous savez, quand on prophétise, il y a les anges de Dieu en mouvement, mais il y a aussi les anges, les esprits impurs qui se mettent en mouvement. En fonction de l'état dans lequel tu décides de vivre, la prophétie peut s'accomplir de deux manières. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en ce qui concerne je vois comment cette année, ok, quand Dieu me parle comme ça, je suis en 2022 et je vais en décembre, dans les dernières semaines du mois de décembre, je vois comme si tu as pris une décision de vivre 2023 comme étant une année de haute consécration. J'entends dans mon esprit haute consécration. Et pendant que je parle des hautes consécrations, l'Esprit de Dieu me dit, ok, l'Esprit de Dieu me dit que le mariage te sera donné dans une dimension de haute consécration. Et je peux même te dire comment tu seras habillé ce jour-là. Parce que dans le règne de l'Esprit, je suis en train de te voir. Est-ce que je peux prophétiser ici? Aïe, mon esprit ouvert. My God, saladé.
mon esprit est ouvert. Je suis en train de voir. Oh my God. Je vois même la période. Parce que là, actuellement, on est en janvier. On laisse janvier, on part en février. Février-mars. Je vois d'abord entre février et mars une période dans laquelle tu vas rentrer. Je ne sais pas si tu as prévu ça. Hein. Tu vas rentrer dans un temps de retraite ou d'intimité personnelle entre février et mars. Je laisse février et mars. Je vais entre mi-2023. Donc, la deuxième moitié de 2023. Je m'arrête là. Donc, dans la deuxième moitié de 2023, je vois que les portes seront ouvertes là-bas. Écoute-moi-même, je vois même les fiançailles en décembre. Je vois décembre, la fin du mois de l'année de décembre. Je vois même les fiançailles et la robe des fiançailles même que tu as prévue. Ah, yeah, il est close. Là, je parle, je suis dans le futur. Je vois une robe comme un modèle en blanc et tout. Je ne sais pas si le blanc, c'est ta couleur. Est-ce que je peux voir ici? C'est bon. Oh, God. Je vois un modèle en blanc et tout, façon comme ça. C'est pas la même. Ok. J'ai dit, j'aime quand le prophétique est ouvert comme ça. C'est ton partage. Et pendant que tu donnes des amens, tu te connectes aussi à ça au nom de Jésus. ITS est l'un des ministères qui vient montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'être sur place. Est-ce que quelqu'un est ouvert ici? Je vois, Marthe, je suis encore chez toi. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de parler de Marthe, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un haut noir ou un tricot noir? Quelque chose de noir sur elle. Pendant que je parle de Marthe, je suis en train de voir comment je suis sur ton... Non, attendez, j'arrive. Je suis en train de voir des moments de prière. Des moments de prière que vous allez commencer avec votre futur. Des moments de prière. Comme des moments de prière d'intercession, des choses où vous priez ensemble. Et l'instruction précise que Dieu me donne. Marthe, garde-toi dans la consécration. Ok. La condition, c'est la consécration. La condition, c'est la consécration. Je ne vois pas clair. Je vois aussi une porte qui s'ouvre un peu comme dans le voyage. C'est pas très clair. Ouais, je vois un éventuel voyage sorti du pays. Que Dieu vous bénisse. Oh my God. J'ai cru qu'on allait acclamer ici. My God. Le Dieu des esprits, des prophètes est ici. Amen. Amen, amen. Excusez-moi, je termine avec ça. J'ai envie d'aider une femme. Je vois, n'ayez pas honte, ce que je veux dire est un peu indiscret. Je vois comme si c'est une jeune fille. Et je te vois à la douche. Excusez-moi.
je te vois à la douche, tu es sous l'eau. Et je vois, je vois comme du sang. Je vois du sang. Je vois du sang. Du sang qui... Du sang. OK. Est-ce qu'il y a une demoiselle ici? Tu as perdu beaucoup de sang ces quelques temps, de manière anormale. Ces quelques jours. De manière anormale, tu as perdu du sang. Je ne sais si c'était dans ta période ou pas, mais il y a trop eu de flux que des périodes passées. Adia. OK. Adia, tu as eu... Tu peux me dire comment ça s'est passé ou comment... Rapidement, on est arrivé à la fin. Tu peux activer ton micro rapidement, si ça ne te dérange pas. Shalom à tous. Shalom. Essaie de parler plus fort parce que ton micro fait du bruit. Parle un peu plus fort pour que je t'entende. D'accord, c'est bon. J'ai entendu ce que je voulais. Ce que je voulais vérifier, c'est le côté des douleurs. Parce que dans la vision, j'ai vu effectivement qu'il y avait du sang, mais il n'y avait plus de douleurs. Et c'était quelque chose d'anormal. Tu peux simplement mettre ta main au niveau de ton bas-ventre. Et je t'informe qu'à l'instant où tu mets la main, mon Dieu me dit, il restaure. Dorénavant, même dans ta période, il n'y aura plus de douleurs. J'affecte ta vie de ça. Je décrète et déclare au nom de Jésus que cette anomalie soit maintenant restaurée au nom de Jésus. Et je décrète et déclare, même après ces moments, dorénavant, je commande et j'affecte à ta vie une vie saine, de telle en sorte que même dans tes périodes, aucune douleur ne te dérange. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à quelqu'un la conquête. Oh my God. La conquête. On n'est qu'à l'introduction. On est là tout le mois et on va expérimenter de telles choses. Et le ciel est grandement ouvert ici. Que Dieu vous bénisse. On se voit à 3h.
On se voit à travers. Hey, le ciel est ouvert ici. Hein. Est-ce qu'on sent la présence de Dieu ici? Je prie et je déclare au nom de Jésus. Père, que cette atmosphère soit la nôtre dès maintenant jusqu'en décembre 2023, au nom de Jésus. Garde-nous, protège-nous. Donne-nous la force de nous lever chaque jour durant ce marathon de prière, de nuit comme du soir, comme du matin. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des personnes, vous avez prévu vos offrandes, quelle que soit votre localité, vous pourriez les acheminer par ce moyen. Donc, pour ceux qui sont en France, bonne nouvelle pour vous. Dorénavant, il y a des coordonnées juste en bas, des coordonnées bancaires. Donc, c'est le RIB, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Donc, il y a un RIB là, juste en bas, et le nom est juste en bas. C'est ma fille, c'est Léman Lucienne Melba. Pour tous ceux qui sont en France, vous pouvez simplement faire vos transferts via ce RIB. Pour ceux qui connaissent Paylib, c'est un moyen de transfert plus rapide, instantané, je crois. Donc, vous pouvez l'emprunter ou bien faire un transfert bancaire qui mettra, je crois, 2 ou 3 jours jusqu'à l'acheminement. Pour ceux qui sont au Gabon, vous avez Airtel Monin. Et pour d'autres, il y a Orange, il y a Wave. Et pour ceux qui veulent l'envoyer directement, il y a Ria, MoneyGram et Western Union. Toutefois, à la barre d'infos, vous trouverez un numéro secrétarial sur lequel vous pourriez écrire pour des éventuelles questions ou informations. Sur ce, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je prie pour les personnes qui ont prévu leur offrande. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous restaure en cette année dans le domaine financier. Je bénis votre soirée à tous. Je bénis votre nuit et que Dieu nous donne tous la force de nous retrouver demain à 3 heures. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, on se voit demain. C'est le même lien que nous allons utiliser. Que Dieu vous bénisse.